Voilà. Tu ressors? Voilà. Attends, mais si on est cute là! Ça commence pas? Wouh! Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui accompagnée de Anna, Anaïs Toa et son petit frère Kylian! Kylian, tu viens? Préciser qu'il est un petit peu plus noir que moi, donc bien évidemment c'est mon frère, comment on dit, demi-frère. Allez, allez Kylian, tu viens te présenter. Le petit a fait le malaise, même pas ses habits. Elle me dit que tout son délire. Ah, je suis morte. Allez Kylian, tu te présentes. J'en fais un présenter. I'm basketball, it's a very tall, I gotta get a good beer, I'm a hey. Bonjour. Tu veux te présenter genre... Je m'appelle Kylian. Vous allez bien? A.K.A. Maïe Vigneault, et je suis venue ici pour te mettre la raclée, Kylian. Et c'est tout ce que je vaux. Par contre, les échelles, personne ne me défie aux échelles. C'est trop, vas-y. Elle me fatigue. Vas-y, petit dans qui. Le petit me fait peur, je vois clairement qu'il a du ballon en fait. Et je pense que je vais perdre, mais c'est pas grave. Le plus important c'est de s'en donner les moyens. Donc c'est parti. De merde. Merde. C'est la plus
c'est pas filmé. Allez. Prenez pas pour moi. C'est Malvigno ça. Là tu vas. C'est du Ronaldinho au basket. Ah, elle commence à se réveiller. On aime, on adore. Ça tire pas. Oh mon Dieu! Bon, viens, rentre à la maison. Viens, rentre. Enfin, on se réveille. Ça joue, hein. Parce que c'est dur. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Hey Kiki, on se motive. Ne laisse pas y aura, là. Non mais t'arrives à un stade mon frère, c'est bon. Il y a l'eau de la salive, de la bouche, avale la salive. Battu 5-3. Comme j'ai dit, on comptait les points en allant 1 à 1 plutôt que 2 à 2. Enfin, plutôt que compter par 1. Ouais. Plutôt que compter par 2, on comptait par 1. Okay. Kylian, grand vainqueur de ce match de basket, il m'a battu 5-3. Je suis assez fière de moi parce que, étant donné que j'ai pas du tout les notions de basketball, je suis quand même fière de moi d'avoir battu un môme. Battu. Je suis quand même fière de moi d'avoir battu un môme de 12 ans. Oui, il faut aussi comprendre que j'ai ma petite attelle depuis, j'ai mon, j'ai mon poignet de maintien, ce qui fait que du coup ça m'a un peu causé certaines difficultés, voilà. Oui parce que j'ai pas fait d'update mais j'ai enlevé mon plâtre, je vais vous mettre l'image de quand j'ai enlevé mon plâtre aussi. On va enfin enlever ce plâtre. Tu sais, j'ai plus mal quand je fais ça, et voilà. Ça fait trop bizarre, c'est tout léger. En effet c'est gonflé, monte ton bras. C'est encore un peu gonflé, ouais. Mais ma main elle est légère, on dirait un gant. Ça fait trop bizarre. Ah, c'est trop bizarre la sensation. Là, ce sera au tour de Kylian de s'exprimer ce soir. Non, cet après-midi. Donc, Kylian, comment acceptez-vous votre victoire? Je savais que j'allais gagner de toute façon. D'accord. Elle est très forte, mais elle a pas m'enlevé, vous voyez. Moi, il est complet, on aime ça. Ouais. Moi, je suis trop fort. Voilà. Le bois, donc, je peux lui serrer la main. Kylian, s'il te plaît, tu mets pas un vent pour tout le monde. Va me faire un vent, c'est gentil. Voilà. Je montre quand même une notion de fair play. Je montre quand même que je suis fair play parce que ce petit est très fort. Du coup, je peux marquer mon dernier panier. Vas-y, s'il le met pas, franchement, s'il le met pas, t'as perdu. Voilà, tu parles trop. Il va pas la mettre. Donne-moi mes vêtements. Déshabille-toi. Bon, et ben, c'est fini. Kylian, tu peux faire la outro avec moi. Bravo encore à Kylian. Je vous dis à la prochaine pour un autre challenge, du coup, que ce soit du foot ou du basket ou n'importe quel autre sport. Et vous pouvez mettre en commentaire quel sport vous me verrez bien faire avec une autre personne. Voilà. Petit dernier mot, Kylian. J'ai gagné. Elle est imbécile, regardez-moi, elle est imbécile, elle se tape dans les couilles. C'est pas le principe de se taper le couille. Dans le couille, hein. Elle s'est tapée à la couille. J'attends. Toi là qui me regarde, sache que je t'aime. Non seulement il est pas bien la pièce, là. Tu remets toi la pièce. Tu remets toi la pièce. Allez, et le dernier mot d'Anna aussi, quand même. C'est elle la filmatrice. C'est elle le cadreur. Allô?
ouais, elle était déchargée, mais non, elle n'avait pas chargée. Putain, j'ai le seum. Kimberly. J'ai passé la même chose. Kimberly.